Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude, Gaming en compagnie de Knarfan pour un nouvel épisode de Bumper Crew. Donc c'est notre première mission de la campagne principale. C'est parti. C'est parti. Avec mon équipage d'élite. Incroyable. Regardez. Regardez tous ces hommes et toutes ces femmes. Et tous ces gens là. Et toute cette fée. Ah oui. Attendez, je me rappelle. Attendez, je me rappelle 2 secondes. Alors, je te verrouille. J'ai appris ça. Décoller. Ah ouais, nice, c'est ça. Hein? Non, fais pas ça. Artoni? Ouais. Ouais, fais ça. Oh ouais. Ouais. On est bon. On est bon. On est des champions. Ça serait quand même mieux avec une musique épique. Ah, attendez, rentrez le train d'atterrissage, vite! Le mec fait n'importe quoi! Bref, alors là je sais que j'ai un mécano, très intéressant, qui donc me donne un boost. Alors c'est toi qui as l'EMG plongé, hein. EMG, la plongée, lol. Est-ce que tu peux pas monter, genre en moyenne altitude, on se dit? Parce qu'en basse altitude, on va consommer, hein. Après, visiblement, carburant, c'est infini, hein. Donc, Ah, et là on peut plonger, ok, nice. MG terrir. Ah, c'est pour Emergency plonger. Ah, MG c'est Emergency, donc urgence. Sauter en parachute, abandonner. Non. Ok. 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 Vous servez tous à rien en fait, c'est ça? Il y en a qu'un qui sert à quelque chose, ouais. D'accord. Zone de déjeuner proche ajoutée à la carte. Très bien, formidable. C'est une zone à bombarder. Belle, et ici. J'ai pas vu les mecs là. Ah si, ils sont juste derrière moi, d'accord, ok. Si j'avais pas vu ping sur le radar, j'aurais dû faire gaffe. Oh. Non, excusez-moi, non, c'est pas ça que je veux faire, voilà. Nice, merci beaucoup. Pilote, basse attitude s'il vous plaît. Plongez, plongez. Philippe, prépare-toi à prendre une photo. Philippe, on voit que dalle. Ok, on va sur la prochaine photo, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà. Non, mais non, vas-y, on y va, j'y crois à mort, frère. Vas-y, t'es caté. Charge-moi ça, là. Prépare-toi à prendre une bonne photo. Ah, j'aurais peut-être pu utiliser sa plongée en urgence. Ah ouais, mais je sais pas si ça se recharge. Bah, théoriquement, ça doit faire comme l'appareil photo, non? On va prendre des photos, mais dégueulasse! Ok. Wow, ça va trop vite. Ok. La photo était pas dingue, à première vue on peut la recommencer. Je vais la recommencer dans ces cas-là. On va la retry. Vous savez quoi? Je vais même ouvrir les portes. Sneak. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Personne n'est prêt pour ce qui va arriver. Clic-clac. Ah non, clic-clac! Ah, t'es moche! Ouais, moi aussi, au premier avis, je n'étais pas prêt pour ce qui est arrivé. Charge une bombe. Il faut d'abord qu'on prenne une photo et ensuite il faut qu'on largue. Attention, vous êtes prêts?
Ah, après avoir vu, j'ai une petite panne électrique là. Pas piqué du téton. Voilà. Et ici, charge une bombe. Qu'est-ce qu'il y a pas? Attends, ça veut dire que je vais pas pouvoir fermer les portes? Pas grave. Non, non, pas d'incendie, hein, pas d'incendie. Arrêtez. Arrêtez tout. Arrêtez ça là. Hop, on ralentit tout. Il est où toi, Philippe? Il est ici. Oh, ils s'appellent tous Philippe. Hein. Philippe 1, 2 et 3. Le bombeur du coup. On va prendre une photo aussi. J'aime bien prendre des photos. Je vous ai dit, on est des reporters de guerre. Quoi? Elle est pas morte? Non. J'ai pu avoir de bon moi dans ces conneries d'histoire là. Mec, Gamer la base hein. Surtout que j'ai plus de bombes en fait. Ah, la mission est un échec. Est-ce que par hasard la mission est un échec? Attends, attends, il y a des méchants à trouver. Alors, ce qu'on va faire, les mecs, c'est qu'on va demander au pilote de remonter en moyenne altitude. On va se diriger par là. J'ai raté ma mission, c'est ça le. Est-ce que c'est vraiment ça l'histoire? Est-ce que ma vie c'est vraiment de la merde? Alors, elles sont. Radar. Radar, ma gueule. Ah, ils sont vraiment au-dessus de ma tête, quoi. Ah, oui, ils sont vraiment là, quoi. Eh, hey, arrêtez vos conneries, la Wehrmacht, la Deutsche Qualität, là. On se calme. La Luftwaffe. Ça, c'est la Luftwaffe. Il est où le dernier? Il en manque un. Ok, ok. Toi, c'est bon, t'as refermé ton bordel, hein. Ouais, c'est fermé. Alors, on zoome sur la squad. Toi, viens chercher tes munitions. Toi, retourne chez ta. Ah, tu veux aller là? Va là, si tu veux. Toi, retourne chercher des munitions, vite. Belle, reprends le poste d'artillerie là. Belle, reprends le poste d'artillerie. Arrête de faire chier Cunningham, retourne bosser. Arrête de glander. Quoi, qu'est-ce qui se passe? On va nulle part, c'est ça? Ok, ok, on retourne à la base. C'est bon, c'est mis à jour. On affirme tout. Putain, Belle, il a pris la sauce. Putain, ah oui, ça a dû être les DCA au sol qui ont dû le harass comme jamais. Parce que du coup, il devait être exposé. Putain, il s'est fait harass le coup. Ok. Eh bah écoutez, on a la bonne base les mecs hein. Retour QG hein. Retour HQ hein. Ouh. Wow. Oula. Oula. J'ai un membre d'équipage à mettre au lit de repos. Enfin j'en ai plusieurs même hein, si tu veux hein, si tu veux tout savoir hein. J'en ai deux qui sont pas frais hein. Pilot, do you want to sortir le train d'atterrissage, you know? Après, je sais pas s'il a commencé tout à fait l'atterrissage. Ouais, ça, il est en train de, il est en train d'amorcer. MG atterrir, c'est bleu. Ou infini. Et voilà, du coup, on rentre avec un bel pas trop blessé. Bon, ça va. Polichuk qui a pris. Polichuk, il y a nous rigolo. Qui a pris un peu le tarif. Je suis qu'il a un peu mangé quoi. Et on rentre avec beaucoup beaucoup d'XP, c'est incroyable hein. Ils vont tous prendre 12 niveaux direct. C'était ma meilleure idée. C'était l'idée du siècle. Mission réussite. Ah, succès hein.
Attention, incroyable. On a réussi une vraie mission. On a gagné 1200 balles. Ce qui n'est pas assez pour acheter notre mitrailleuse ventrale. Ok, c'est bon. Ok, non, c'est bon. Ok, en fait, c'est valide. C'est valide 15 fois. Tout le monde est revenu, il n'y a pas de problème. Blablabla. Nous allons se pencher. D'accord. Donc, il tend les fesses. Radio de reconnaissance, concentration, concentration. Donc, un petit bonus pour les artilleurs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Économiser le carburant en utilisant un mélange plus léger, d'accord. Ah oui, non, c'est pas en utilisant un mélange, c'est le mec, je crois, il pompe pour foutre de l'air dedans. Ça porte un nom. Et en fait, tu consommes moins et tu vas plus vite. C'est surtout que ça te sert à aller plus vite, en fait, ça fait un espèce de turbo. Et vu que tu ajoutes en plus plus d'oxygène, tu vas de ce fait économiser un peu de carburant. Pour aller en fait à la même vitesse, tu réduis ta consommation en ajoutant de l'air. Ça porte un nom et j'ai plus le nom. Ah, j'ai plus ce nom. Utiliser la radio donc pour localiser l'emplacement de danger en approche seront dévoilés sur la carte du navigateur. D'accord, très intéressant. Très intéressant. Concentration accrue en visant, apportant une meilleure précision pendant un certain temps. Très très bien. Tout ça c'est magnifique ça. Ah oui, on a un million de trucs qui viennent de se débloquer. Ah oui. Cool. Top stage. Survie et réussite sur cette mission. D'accord. Que je viens de déverrouiller. D'accord. Il y a un truc au niveau de l'équipement de l'équipage. Alors c'est quoi l'histoire? Ah non, des vos trucs. On a le genre le kit de base maintenant si on veut. Ils viendront plus lents. Bon, en vrai, moi leur vitesse de déplacement, j'avoue, j'en ai rien à cirer. Par contre, ça les blinde un peu plus, plus résistant à la chaleur, plus de chances de survivre. Ouais, mais ça a coûté cher. Attendez, moi ce que je veux d'abord, c'est venir ici. Je pense que une petite tourelle ventrale, MK2 en plus. C'est quoi la différence? 133 dégâts par seconde, 900 munitions, 167 dégâts par seconde. Allez, on discute pas. Voilà, celle du coup qu'on pouvait voir, c'est celle de queue aussi. Hein. Direct, on la remplace, hein, mais on n'a pas l'argent. Bon, problème réglé. Niveau système, qu'est-ce qu'on nous parle? La radio, on peut avoir une radio MK2. C'est trop cher, on est défauché, très bien. On peut avoir un petit extincteur. Des extincteurs à 1000 livres. À 1000 livres sterling. J'achète Buckingham Palace avec 1000 livres sterling avec tes conneries là. Oh les mecs, l'extincteur le plus cher du monde. Nouvelle livrée, attention, on peut avoir des vrais dessins devant maintenant. On peut avoir le personnalisé 3. Waouh, 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 ça enlève mon carré blanc là. Vraiment? Ah non, non, moi si ça enlève mon carré blanc, ça m'intéresse pas. Hein. C'est nul, hein. Je veux garder mon carré blanc. C'est quoi l'histoire des entraînements là? Rappelez-vous le crew. Pouet. Après avoir vu, j'ai Monsieur Bell qui peut être entraîné. Ah, d'accord. Ok, donc il a la bombe à 3. Enfin, Jane Bell d'ailleurs, parce que Monsieur Bell en fait c'est Mademoiselle Bell. C'est donc un lanceur de bombes. Enfin, du coup, lanceuse de bombes. Et elle est sergent de sexe féminin et elle est sergent. D'accord. 21 ans, cactusique, expert de la survie, ville natale, Newton et Cliff. Ah oui, c'est la femme de ma vie avec ses 18 d'armure, la trou de résistance en tout. Ah oui, 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 c'est vrai. Elle est géniale. Elle est parfaite. Bah, mitrailleur, hein. Tu vas être notre mitrailleur avant. Et je te dirai pas mitrailleuse parce que du coup ça serait bizarre. Et d'accord, on peut éventuellement réentraîner les gens. Donc c'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce que... on n'a pas grand chose en fait que je peux faire pour vous aider. Noir de base. Ça change quoi? Ah c'est genre une autre combi de base. Mais ouais, au lieu d'avoir le bleu royal, voilà. Oui d'accord, ok. Ok. Waouh. Mais ça ne nous empêche pas de nous les peler ça. Combinaison de vol thermique. Plus lent, moins de survie en mer. Ouais, de toute façon ça fait des trucs chers pour pas être ouf visiblement. Il doit y avoir des trucs bien hein, mais j'ai pas trop le temps. Genre oxygène, tu vois, une petite bouteille d'oxygène pour tout le monde. C'est tout con, mais ça peut sauver des vies, mais j'ai pas assez à 525 livres pour équiper tout le monde. Donc moi si je ne peux pas. Si je ne peux pas équiper tout le monde. Je suis pas concerné, j'estime. Je vois là-haut que j'ai une part de progression, je suppose, en fonction des missions que je réussis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une mission, donc 2000 balles, 250 points. Hein. Bon, c'est les risques faibles. Hein.
Recherche et sauvetage. Bon, elle n'apporte pas de bonus. Ça n'apporte pas de bonus. Ça n'apporte pas de bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Recherche et sauvetage. Ah, j'ai envie de tâter ça. Il y a un truc de si tu sauves des gens, à mon avis, il y a une stat. J'ai envie de sauver quelqu'un. Un de nos courageux pilotes de Spitfire a combattu au-dessus du canal et s'est crashé dans la flotte. Localiser ce pauvre gars et larguer du matériel de survie afin d'assurer sa sécurité jusqu'à qu'on vienne le chercher. Parfait! Pour une fois qu'on larguera autre chose que des bombes. Moi, ouais, je dis que c'est une belle mission. Donc, t'es sur la mitrailleuse Jane, parfait. Parfait, parfait. Monsieur Johnson. Vous ne quitterez jamais votre poste, monsieur Johnson. Je suis navré, monsieur Johnson. C'est comme ça, monsieur Johnson. Ouais. Vous vouliez être fritier? Bah, c'est pas. Non, tant pis. Vous êtes pilote, monsieur Johnson. Écrivain? Non, monsieur Johnson, vous êtes pilote. Artilleur? Non, vous êtes pilote, monsieur Johnson. Arrêtez de faire le. Enfin, Johnstone, parce que c'est un caillou. Provisions doivent être larguées. Attendez. Rentre-moi ce bazar. Elle doit être larguée à basse altitude, la caisse a un parachute, elle dérivera si elle est larguée. Très bien. Donc là, si je comprends bien, je dois avoir Miss Bell, qui a effectivement, qui peut donc charger les fournitures, qui va me les placer. Très bien. Que d'ailleurs, je vais conserver à ce poste temporairement, on verra bien s'il y a besoin de la sortir de là. Si je n'ai pas besoin de la sortir de là, choupette, elle reste là, et puis c'est très bien. Donc. Je suis étonné qu'il n'y a pas d'histoire de. J'ai rien dit. C'est encore d'économiser un petit peu de carburant. Voilà. Voilà. Normalement là on est censé faire des petites traces blanches dans le dans l'air. Enfin je crois. S'il y a des spécialistes de la navigation là, formez-moi un peu plus. C'est gentil. Vous seriez adorable. Oui. Ok. Justement de la trajectoire, monsieur Johnstone. On va t'appeler Johnson, hein. On va faire t'appeler Johnson, c'est plus rigolo. Et en plus, comme ça, ça fait que je prononce mal son prénom. Ça fait vraiment le commandant. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Faudra que je fasse ça d'ailleurs pour tout le monde. Voilà, monsieur Cunningham. Monsieur Gras, lui j'ai pas trouvé encore pour Cameron, on trouvera, t'inquiète pas. Belle, on va l'appeler Campbell. Le mec a vraiment trop de respect pour personne quoi. Polishuk, on va juste l'appeler Polish. Mister Polish, Polisher, un truc comme ça. N'oublie pas de larguer les provisions à basse altitude. Oui, oui, tout à fait, bien reçu, mais faudrait que j'identifie. Ah, je l'ai trouvé. C'est Casey. Mademoiselle Belle, ouvrez les portes. On va prendre une jolie photo du mec. Hein. Attention, c'est la photo de votre avis. C'est parfait. Vous pouvez fermer les portes. Attention, ennemi en approche. Ah, moult ennemis en approche. Opérer un demi-tour. Schnell. Mademoiselle Belle, voulez-vous bien reprendre. Merde, pour moi c'est faire pause, hein, ralentir. Hein. C'est espace pour moi, ralentir. Voilà, voulez-vous bien prendre ce genre de truc là. Ok, je crois que j'ai des artilleurs qui ont un truc qui s'appelle la concentration. Faites-vous plaisir, hein. Saucez les mecs. Hein. Saucez les petits poulets. Pilote, peux-tu nous mettre en moyenne altitude, s'il vous plaît? Le type au carburant. Ça va aller, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de plus. Ça se passe bien, ça se passe bien. Calmez-vous. Ouais, parce qu'ils font tous des manœuvres de type où je suis énervé, là. On se penche, comme il est, monsieur. Oh là là, MG plongé, on plonge, monsieur Johnson. Plongeons, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mec sous-marin. Radio de reconnaissance. On veut voir, on veut savoir. Parlez-nous.
Oh, c'est la guerre. C'est la guerre. On savait pas l'air, hein. On m'avait pas dit comme ça, hein. Nous, on était des reporters de guerre. Comment ça, faut faire demi-tour? What was that? Un de nos tourins n'a presque plus de munitions. Faudra envoyer n'importe quel membre d'équipage. Quelqu'un qui sert à rien. Go! Rapporte des munitions, Jack! Enfin, ouais! Jack Cameron, là. Vas-y, donne des munitions, monsieur, là-haut. Et tu vas lui donner, bordel de... Connasse! Viens chercher tes munes. Viens chercher tes munes. Belle, viens chercher tes munes. Grouillez-vous, bande de nazes. Oh, 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 l'équipe de Bleuzaï, là, oh là là. En fait, ça me fait penser qu'il faudra hypothétiquement à un moment donné un nouvel artilleur, parce que ça n'a pas l'air d'être ouf. Hein. Il y a un membre d'équipage blessé au lit de repos. Personne n'est blessé, ils vont tous très bien. Bon, Mika, tu fais la gueule. Monsieur McKay. John McKay. Toi t'as la tour à du haut, toi t'as la tour à l'avant. Y'a qu'un seul qui peut tirer. Alors attendez, ils sont tous en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va zoomer. Polisk, tu descends. Et tu te mets en concentration. Sauce-les. Sauce-les, ma gueule. Saucer, saucer. On voit plus rien, mais saucer, hein. On va tellement loin là. Ah oui, non, c'est bon, on rejoint la côte. Mais j'espère qu'on est sur la bonne côte, hein. Ouais, bah oui, je me doute bien, navigateur, que tu es perdu. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, mais c'est une blague. Donnez-moi une direction. Radio de reconnaissance rechargée. Mais Roche, trouve. Où est-ce qu'on va là? Martoni. Arrête de déconner, Jack. Mais retourne à la base. Mais je veux bien, mais donne-moi une direction, abruti de con. C'est quoi le problème du pilote? What's your problem, pilot? Cause, Billy. J'ai plus aucun icône. Je peux rien faire. Moi, c'est pas que je veux pas, les gars, mais... Il nous reste 17 minutes de carburant. Et j'ai pas idée de où on va. Ah, je peux faire sortir quelqu'un, genre sur l'aile et tout. Ah, mauvaise idée. Économise de carburant. Passons en haute latitude, mais j'y crois pas trop, quoi. Ah ouais, non, fais pas ça tout de suite. Plonge. Ah, ils sont en train de geler, là, regardez. Ils sont en train de geler, les gars. On plonge. On s'accroche, on serre les fesses. Il faut qu'on trouve une base, faut qu'on voit quelque chose, là. Donne-nous des infos, là. Là, tu vois le sol, tu reconnais le pays. C'est le terre-terre, frère. Donne des infos. Il nous a envoyé à l'autre bout du monde. Il avait plus aucune info en fait. On était trop haut, il y avait du brouillard, il voyait plus rien le mec. C'est chaud. Là c'est chaud. Il nous reste 34 minutes de carburant en mode se pencher, mais dès que ça va être terminé, il va nous rester 3 secondes. Ça va être compliqué, quoi. C'est bon, tu vois quelque chose à Bruididos? Yo, c'est toi là. C'est bon, tu donnes prochain point de passage, ok, formidable. Prochain point de passage? Confirmé. Niveau carburant, on est comment, mec? 33 minutes, toujours. 32. Ça tient comme ça, ça me va. C'est bon, lui il sait où il va, visiblement. Vous avez tous l'air de maîtriser le sujet. Ça fait plaisir. Prochaine coordonnée, dans combien de temps? Enfin, le sol, on le voit qu'il y a 90... Non, c'est une blague! On est en France, là? C'est une blague!
Ah ouais. Attendez, c'est une blague. Non, attendez, d'après Grey qui dit que de la merde, on est quand même allé jusqu'à Paris. Grey, tu dis que de la merde. Ah, et là, il y a une photo par là à faire, visiblement. On va jamais rentrer. Hein. Ils vont tous mourir là. Je le sens bien. 15 minutes. Penchons-nous. Penchons-nous dès que t'as un moment. Penche-nous dès que t'as un moment. Là, maintenant. On économise. Mais Cartman, il vous a dit là, le mec de la carte, il nous a... Mais arrête de nous envoyer dans des endroits improbables. L'autre, pourquoi il nous fait faire des crochets? Mais arrête ça, je vais aller par là, moi. En plus, c'est écrit sur ta map. Petite con. Peut-être fallu que j'attende qu'il nous montre un autre point. Et c'est encore plus loin. Non, ça nous ramène un peu. Ça nous ramène un peu. Ouais, on va le prendre. Hein. On n'a pas le choix. On n'a plus de carburant. Oh là là, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, hein. Et on arrive au pays, c'est déjà ça. On te donne une info. Et à 95% de sol, tu peux monter à 99, mec, tu le vois le sol. Ouais bien, là. C'est Armenie Bled. C'est bon, voilà, regarde, on est au pays là, c'est bon. On est au pays les mecs, on est tranquille. Petite radio de reconnaissance tranquillement au pays. Pour le principe, on se rassure. Hein. On a une radio qui marche. On a plus de carburant, mais on a une radio qui marche. C'est un bon deal. En vrai, ça va encore. Ok. Cartman. Ouais, parce que c'est le mec qui gère les cartes, qui s'appelle Cartman. Évidemment. Vas-y, localise. Bon, on n'a pas pu prendre la photo bonus pour voir si on avait débloqué un nouvel objectif, etc. C'est un peu dommage. Mais je trouve vachement bien ici. Enfin, je veux dire, vraiment, tu veux voir la carte, tu cliques directement sur Cartman qui gère, quoi. C'est incroyable. Faut qu'on s'aligne, au secours. Ouais, merci de le préciser, on va pouvoir le réutiliser. N'empêche, c'est bien, c'est à peine ça se termine, tu peux tout de suite, très vite le réutiliser, quoi. Genre 60 secondes après, et ça dure longtemps. C'est... Se pencher, c'est vraiment très bien. C'est très très bien. Aligne-toi, allez, aligne-toi. Ok, très bien, on sort le train. Ouais, c'est la consommation de carburant qui se met à chuter d'un coup. Dès que tu sors les trains d'atterrissage. Ok, bon, on est rentré au bercail. Hein. Bon, c'était pas glorieux hein, comme première mission. Y'a McKay qui fait un peu la gueule en plus. Peut-être penser à prendre un peu de blindage de queue, peut-être. Ça fait erreur de ma part, McKay c'est celui qui est au fond. Ok. Option d'argile, revenu et réparé. Bonus de retour à la base. On a pris le minimum. Mais on a fait la mission. Bon. C'est déjà ça. Tout le monde est revenu. Paf, 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 ça prend des levels. Trajectoire personnalisée. Oh. Vrille pour permet d'éviter les tirs de chasseurs si elle est utilisée au bon moment. D'accord, trajectoire personnelle, un marqueur de navigation personnelle via la carte du navigateur. Utilisez-le pour éviter les dangers. Très bien. Intéressant, on gagne des gants de cuir et tout. Pas mal. Alors.
on sait que ce qui nous intéresse déjà, c'est de donner plus de pêche à l'arrière, clairement. Installer cet objet placerait votre bombardier au-dessus de sa limite de poids. Ah, ah d'accord. Moteur. Plus de blindage, coûte un bras. C'est quoi l'histoire là? Hein? Ah oui, d'accord. Si je pars sur ok, si je pars sur un blindé, je gagne beaucoup de blindage, mais je perds 50 au poids, ce qui ne m'intéresse pas. Je préfère un moteur standard. Qui a combien de def? 250, qui a quand même 100 de défense de plus que mes moteurs standards. C'est pas plus mal pour l'instant. Le classique, le vert et ouais, non, mais il est bien notre pigeon d'argile. Hein. Ouais, comme ça, il aurait beaucoup de gueule notre pigeon d'argile. On verrait bien les grosses taches blanches en évidence. Ça serait un peu le gros style. Mais bon. Donc, ça c'est fait. Du coup, ma toile, je peux pas la payer. Youpi. Oui, alors attends, il faut qu'il. Oui, qu'est-ce que tu veux me montrer? Le petit dessin. Les yeux de chat. Lol. Ah, ça aime les LOL 4, c'est magnifique. Et j'ai pas le pognon. Salaud. Communiste. Ok. Est-ce qu'on peut se gratter un truc, genre effectivement un extincteur? C'est pas tellement ce qui m'intéresse. Le radar MK2, c'est combien? 1500 boules. Oh là, je l'ai pas non plus à rien près, quoi. Lol. Tellement rien là-dedans que c'est triste. Ah, les blindages, justement. Ah, 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 ah. Blindage queue. Fuselage queue, s'il te plaît. C'est combien? 500 balles. Et le léger MK1, il faut attendre 1000 de recherche. 1000 de recherche qu'on aura au prochain tour. C'est presque dommage de claquer de la thune là-dedans. Je pense que le plus simple... Alors, à moins que sinon, on se fasse un petit... Voilà. Petite, on s'occupe de l'équipage. En entraînement, il n'y a personne à entraîner. Personne. Personne n'a débloqué de secondaire. Je suppose que pour leur débloquer des secondaires, faut leur faire faire autre chose. C'est-à-dire que Jane, par exemple, j'ai pu débloquer ce secondaire parce qu'à la base, elle a un poste d'artilleur, en fait. D'ailleurs, faudrait que je fasse ça. Faudrait que je déplace Jane de base dans l'avion. Je sais pas s'ils me la rechangeront de poste à chaque fois, mais s'ils le font pas. Équipement. Équipement, les coupins. On va commencer à vous équiper. Combinaison de vol. Voilà, combinaison de vol thermique. On perd de la vitesse, on perd de la survie. On l'avait vu, mais on gagne à la température. Pff, ça me paraît dérisoire ce qu'on gagne. Ah oui, il y avait l'oxygène, on avait pensé à l'oxygène. Ah oui, mais à 1000, du coup, on débloque la deuxième. Ça change pas la deuxième. Ah oui, on sait pas. Gilet, on a quoi? Hein? Des pré-réglages complets. Donc là, si on part sur un kit de vol de base pour tous, on peut gagner plus 1 défense. C'est pas mal, hein. Équipe les tous. Petit gilet, vous êtes comment? Vous avez le gilet 1. Ah, par contre, ils vous a tous remis en combinaison nulle, quoi. Genre, je vais pas vous lâcher le petit pull hivernal, quoi. Vous voulez que vous restiez en bleusaille, je sais pas pourquoi. Équipe les 7 en stock. Voilà. Fait une petite combinaison de base avec vos petits gilets bleus. On est très bien. ouais, puis on pourrait voir pour des gants en cuir pour avoir plus de blindes. Mais non, on va rester comme ça, ça me paraît bien. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire encore une autre mission. Hein. C'est un peu de... Puisque l'autre était pas très longue, même si je me suis perdu très longtemps. Oula, ça a l'air chaud ça. Mission critique. Au revoir, monsieur l'agent. Usine de moteur, pilote de chasse ennemi dans la zone de mission. Ah, ça a l'air de sentir le danger. Oh. Allons-y. Oh. Ouais, c'est bon, on n'est plus des kikous maintenant. On a fait des missions, on est maintenant une équipe de professionnels. De niveau 4. Eh oui. Hashtag je suis niveau 4, bien sûr. Évidemment. Toi, je te préférerais ici. Le radioman, j'ai l'impression qu'il sert pas à grand chose en vrai. Alors, non, en fait, Belle, tu vas venir effectivement, tu vas rester notre artilleur avant.
Cameron, tu vas passer à la radio. Ah mais non, mais attends. C'est une blague? C'est une blague? Si en fait c'est elle le radar. Donc elle sert à quelque chose. Mais l'autre. Félix Feder est actif dans la zone. Très bien. On va sortir le chat. Parce que Félix, c'est aussi un autre chat. Enfin, pendant qu'il répare ça, je me fais un verre de rosé. Voilà. Pour fêter ça. Parfait. Merci Cunningham. Dérayez votre place, pilote. Décollez et on ira directement en moyenne altitude, pilote. Le ciel m'a l'air somme toute dégagé. Et nous verrons si nous devons redescendre. On va laisser peser. Mais tous mes postes d'artillerie du coup sont occupés. Ah bah non. Du coup non, toujours pas. Ouais, on peut switcher avec Polish. Non mais c'est une blague. S'il te plaît, non, pas toi. Kuninga, ouais si, bah tu sais quoi, si, vas-y toi. Je sais pas ce que ça fait, je pense que ça prend plus de temps si tu t'y mets dessus. Bon, ça même pas, tiens, ça même pas l'air. Ok. Ah oui, arrêtons de cramer du carburant n'importe comment tout le temps. Je pense que c'est pour ça que l'électricité a pété un plomb. Ça a pété à cause de ce que j'ai laissé traîner. Allez, un petit coup de polish. Vas-y, ma poule. Toi, tu nous mets, gros, un petit coup de radio là? Quand je dis radio, c'est une façon de parler, hein. Je parle pas de. On peut pas écouter un petit zouk, hein. Réparation terminée, qu'est-ce qui se passe? Nouveaux éléments de renseignement. Donne-nous l'information, pilote. Formidable, on va faire un crochet par là. Voilà. Ils sont beaucoup là-dedans. On va sur ce point là. Confirmé. Coup de pilote hein. Pas en concentration. Oh la concentration, la concentration. Oh, oh la concentration de cet homme. Incroyable. Ah oui, c'est une cible de bombardement au sol. Ok, hop, on zoom. Il me faut Belle. Belle, t'es où? Choupette. Choupette! Prends ton poste! Charge de l'explosif! Un seul! On est en train de s'aligner sur l'objectif. Ouvrir les portes. J'ai oublié d'ouvrir les portes. Je vais tirer à côté. Ça tombe! Ça tombe dessus! Fermez les portes. Photo. Photo les poussins. On y va. Artilleur arrière. C'est McKay. Concentration McKay. McKay, donne tout ce que t'as. Oh putain, McKay, prends la sauce. McKay, prends la sauce. Attendez. Le truc, c'est qu'il faut absolument que je. Si je marque pas tous ces cons, je suis mort. On va être obligé de repasser pour la photo. Toute classe faudra repasser. Mais si, il y a un mec là, je peux pas le marquer là. Ah mais il y a encore un autre mec là. Non mais sérieusement. Ah non mais ils sont deux mecs là. Non mais LOL et LOL 4. Vous connaissez LOL et LOL 4? Parce que là
Voilà. Pilote, on plonge. Ah mais coupure de courant là? Vraiment comme ça? Oh là là, Evry mon pote, hein. Evry ma gueule. Ralentis deux secondes, parce que je peux pas déplacer un pote là jusque là. Ok. Concentration ma gueule. Concentration mes petites gueules. Belle, ce coup-ci, il faut arrêter. Non, remets-toi en bas. Belle. Oh, on est foutu. Hein. Là, on est 100% foutu. Mais putain, mais ils vont avoir buté McKay. Non, mais c'est une blague là. Ah, juste parce qu'il y en a qui est pas marqué là. S'il est marqué en plus, c'est la boutique. Ils sont tous marqués. Qu'est-ce que vous foutez, Martoni? Qu'est-ce que tu branles? Ah, mais je me suis tellement fait éclater ma race. Ah, mais on a plus de pression. Mais l'autre il bouge pas là. Mais c'est une blague. J'hallucine, mais ils sont cons à ce point-là. Qu'est-ce qui a pété là? Ah, la pression d'huile là. La race de vos morts. Mais va chercher des mines, toi. Au lieu de te toucher. Bah, prends ça là. McKay, va prendre des munitions. Ingham, va te glander là. J'hallucine quoi. Bombardier, il est en miettes. Non mais pas ça. Faisons une petite pause. Cunningham t'es où? Ah, Cunningham il est mort. On peut plus rien en faire. On a vraiment un incendie là? Cunningham, bien bossé. On peut pas se passer de toi. Un mec ici. Belle est morte. Enfin, Belle est en train de mourir. Cameron. Ah non, c'est le pilote qui est tombé. Oh là là, la misère. Si j'arrive à ramener tous ces bolos là. Non mais okay. Quoi? Quoi? Mais non. Mais non, c'est une blague, arrêtez ça. Pourquoi vous tuez mon gentil Cunning? Mais arrête tu... Oh mais putain, mais... Oh mon dieu, au secours quoi. Non mais au secours quoi. Non mais ah, faut que j'arrête de me tromper de touche tout le temps. Il manque une vraie touche de pause hein, dans ce jeu. Croyez-moi bien. Johnson, reprends ta place. Belle, Belle, tu viens ici. Ici, on s'en fout. Prenez une place. Toi là, dépêche-toi de me prendre ça là. Toi le cartographe là. On rentre au pays direct. On rentre en base. John, reprends ta place de pilote là. Allez. Et puis toi t'es par terre. Toi c'est pas grave. T'es bon, tu continues ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a ça à réparer tout de suite. Gray, on a encore besoin de Gray à son poste. Belle. Il y a un truc là à réparer là. C'est dehors là? Non, c'est pas dehors. Enfin, on va verser. Okay. Ouais, enfin, on va pas verser trop tard. Too late. Le gars, il va mourir dans une poignée de secondes quoi. Bah, c'est foutu. C'est foutu, pote, hein. Je suis désolé, hein. Tu vas mourir.
Cunningham est mort. Ah, mais il manque une roue. Bon, bah, on va crever. Très rigolo. L'avion va se crash. Oh, l'état du bon. Ah, ça m'a tué tout ça comme équipage. Intéressant. Ça a buté au moins la moitié de mon équipage. C'était douloureux. Ah bah oui, c'est échappé, tu m'étonnes, il nous a roulé dessus. Hein. Avion détruit. Mission réussie, ceci dit, on a quand même détruit ce qu'on devait détruire. Hein. C'était très cher. Ouf. Centre alternatif photo, on va voir ce que c'est. Photos de reconnaissance peuvent être prises à altitude moyenne. D'accord, quittez le compte rendu. C'était la grosse douleur. Putain, c'était dur. Eh bien, on va commencer par le mécano. Une résistance à 3, ok. Une survie terrestre. On va prendre une survie terrestre, on a l'air d'être un spécialiste du crash. Welcome on board. Ensuite, on va choisir un homme à la radio. Enfin, homme, expression. 6 de résistance au froid, très intéressant. Et 6 de survie au sol. Ah, et 2 d'armure. Williams, 2 d'armure. Hmm. Ça m'intéresse, Williams. Soyez la bienvenue. Artilleur. 2 et 3 en résistance, ok. Ah, 110 de déplacement. C'est rigolo ça. Quelconque. 3 de défense, 12 de résistance. Oh, parfait. Vous êtes parfaite, mademoiselle. Welcome on board. Équipage féminin, visiblement. Fortement féminin. On va équiper toute la troupe. On a tellement souffert. Pré-réglage complet. Kit de vol de base. Équipé à tous. Oui. Maintenant, gilet. Non. Non, pas gilet. Bah si, c'est du petit gilet. Il est où mon petit gilet? Ah, il y a un petit pull d'hiver. Équipé par tous. Ah, par contre, c'est marrant. Tous mes gars sont morts, mais on a récupéré les petits gilets. On a récupéré le matériel militaire, mais les petits gilets, tout récupéré. Hors de question, quoi. Vous êtes fous, quoi. Ah, ouais, attendez. Petit gilet, quoi. Entraînement. Personne pour l'entraînement. Ok. Équipage qui s'est fortement féminisé, hein. Incroyable. Incroyable, incroyable. Le canard coureur. Le canard coureur. Canard déplumé. Il y a toujours des avions qui doivent sentir la victoire. Le fuselage à cul, on a du 1, on peut pas. Ah, du coup, toute la recherche est réinitialisée partout. LOL, c'est ça? LOL, LOL, LOL. Non. Mais non. Mais non. Ah, mais en fait, carrément que si, quoi. Carrément que si. Eh bien écoutez, on va au briefing. Moi je vous remercie, c'était Gnarfank sur Code d'habitude Gaming pour Bomber Crew. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.